Bandeko balandia Elite Television mbote na bino esengo ya kwebe te bozali kulanda biso tion tokoloba. Alors le londinge ebani te République Démocratique du Congo ba finaliste bozali ko le kana épreuve ya dissertation. Tolanda bango toyeba. Bonjour. Dis-nous comment s'était passé l'examen. Ça s'est passé très bien. C'était pas assez difficile mais bon. On a donné le meilleur de nous, voilà. Et vous avez parlé de quel sujet? Sur l'éducation. Comment l'éducation est considérée dans notre société en ces jours. Voilà, le valeur morale et spirituelle et tout consort. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen? Pendant l'examen. Ben moi, je dirais la conclusion, voilà. La conclusion, ça a été un peu difficile à trouver, mais voilà, je me suis adaptée et puis j'ai donné des citations et tout parce que c'est obligé, voilà. C'est tout. La disposition à la salle de classe était normale? Oui, c'était normal. On a respecté les gestes barrières, c'était deux. Le port de masque était vraiment obligé, voilà. Il n'y avait pas assez de rangement et tout, c'était vraiment bien. Un mot pour cette journée alors? Cette journée. Ben moi je dirais. Voilà, c'est sûr, je ne peux jamais l'oublier quoi. Je ne peux jamais l'oublier parce que j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant, voilà. Je l'ai fait, donc je pense que je ne vais jamais l'oublier. Merci. Merci. Bonjour, cher finaliste. Bonjour. Comment s'était passé l'examen? Ça a été, c'était très très bien. On a bien disserté, on a fait ce qu'on pouvait, oui. Vous avez travaillé quel sujet? Je me souviens plus trop bien, mais c'était un sujet sur la femme et c'était une citation de Kofi Annan. Oui. Et quelles sont les difficultés que vous avez croisées pendant votre examen? Bon, beaucoup plus. Les difficultés qu'on rencontre beaucoup plus, ou en général, c'est souvent l'introduction, mais bon, aujourd'hui ça a été. On a pu bien disserter, l'introduction a été correcte, je pense, et je pense que je mérite aussi mes points aujourd'hui. La disposition à la salle, c'était bien? La disposition de la salle, c'était bien, la surveillance, c'était bien. On nous a remis les papiers à l'heure. En tout cas, tout était comme prévu. Et pour ça, on félicite le ministère de l'Éducation. Merci. Je vous en prie. Finaliste. Bonjour. Comment s'était passé l'examen? On a très bien passé les épreuves de la dissertation. C'était un peu difficile, mais bon, ça a été. On a très bien passé. Et tu as travaillé quel sujet? Je travaillais le sujet numéro 3 qui parlait surtout de l'Internet, qui parlait de choses concernant l'Internet, c'est tout. C'est de ce sujet que je travaille parce que c'est la vie que je mène presque chaque jour. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant vos examens à la salle et partout? La difficulté principale était de comprendre d'abord le sujet, mais quand j'ai compris le sujet, tout était facile pour moi, en fait. Et la disposition à la salle, les conditions, c'était bien passé? Oui, on a respecté les gestes et barrières, on s'est mis deux par banc, c'était très bien. On a très bien passé l'examen d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Comment s'était passé l'examen? Déjà, l'examen, par rapport à ce que moi je m'attendais, ça s'est très bien passé parce que avec ce qu'on raconte chez nos prédécesseurs, souvent, ils ont l'habitude de mystifier les examens d'État. L'examen d'État, s'il vous plaît. Mais là, avec ce que j'ai vécu, c'était une bonne chose. C'était une belle expérience. Vous étiez venu à temps par rapport aux embouteillages, par rapport au manque de transport d'aujourd'hui? Bon, justement, j'ai eu la chance d'arriver à temps déjà parce que je ne suis pas loin de l'école. J'habite juste à côté de l'école et ça a été facile pour moi d'arriver à l'école à temps par rapport aux autres finalistes. Et vous avez travaillé quel sujet? J'ai travaillé un sujet qui parlait de la jeunesse. Le sujet était intitulé La jeunesse. Si je me rappelle bien, c'était le sujet numéro 4. C'était un long sujet, donc difficile de reproduire cela ici. Et les difficultés que vous avez rencontrées pendant les examens, c'était quoi? Enfin, pendant les examens, la difficulté a été de comprendre déjà le sujet. Parce que le sujet était déjà un sujet plutôt long.
Et comprendre un sujet long, ça prend du temps, il fallait. Mais à part ça, il n'y a pas eu de problème par rapport à la compréhension du sujet. Juste le temps de comprendre bien le sujet, c'était ça la seule difficulté que j'ai rencontrée durant l'épreuve. Les conditions à la salle de classe étaient bien? Ouais, déjà, j'ai été content de voir que la distanciation était déjà respectée dans la salle de classe. Nous étions sur un banc de près de 3 mètres et c'était deux élèves par banc. Et c'est ce que j'ai aimé parce que la disposition était vraiment très bonne. C'était une disposition conforme aux gestes barrières, aux mesures barrières décrétées par le président. Et comment vous avez trouvé du début jusqu'à la fin de votre dissertation? Enfin, du début jusqu'à la fin, ça a été une dissertation plutôt simple par rapport à ce que moi j'attendais. Ça a été une bonne dissertation par rapport à l'emplacement du centre où on était. C'est déjà une très grande école. Donc, ils avaient déjà pris toutes les dispositions possibles pour que les finalistes qui seront là puissent facilement se sentir à l'aise là dans les locaux comme en dehors des locaux. Merci. Bonjour, chers finalistes. Bonjour, madame. Ah, dites-nous, comment s'était passé l'examen? Mon épreuve de la dissertation a été bien passée, malgré un peu de difficultés que j'ai pu croiser pendant qu'on m'avait remis de feuilles. J'avais un peu du mal à comprendre le sujet. Mais quand je me suis concentrée, et j'ai vu que c'était facile et j'avais bien de battre le sujet. Et c'était quoi le sujet? Je parlais sur la femme, de l'égalité et tout. Et voilà, c'est ça. Et les difficultés en question, c'était quoi? Premièrement, j'avais un peu de mal à comprendre le sujet. Et puis, quand je me suis concentrée vraiment, et puis j'ai trouvé la facilité de parler sur mon sujet, voilà. Le transport ne vous a pas dérangé? Non, non, non. D'accord, merci. Alice. Bonjour, madame. Comment s'est passé l'examen? Eh bien, l'examen s'est très bien passé, ça s'est très bien passé. C'était un peu compliqué au début, mais en lisant très bien le sujet, on a fini par s'en sortir. C'était quoi les sujets? Eh bien, moi, mon sujet parlait du travail et de la souffrance. C'est très long, mais j'ai un peu recadré cela, donc le travail et la souffrance. La disposition à la salle, c'était comment? Bon, j'ai bien aimé la disposition. On était chacun assis sur sa chaise avec les pupitres, tout ça. C'était vraiment bien, on était très calme. Bon, j'ai vraiment apprécié. Et l'aération aussi était très bien. Il y avait des arbres, tout ça, le vent. On avait vraiment du bien à réfléchir. Merci. Je vous en prie. Alice. Bonjour. Comment s'était passé l'examen? Bon, mes épreuves se sont très bien passées. Nous avons passé notre premier jour de dissertation. Ça s'est vraiment très bien passé. C'est quel sujet que vous avez travaillé? Bon, moi, personnellement, j'ai travaillé sur le sujet numéro 4. Ça parlait de la technologie, sur l'Internet, si le souhaite. Vous avez rencontré quelles difficultés pendant l'examen? Bon, moi, vraiment, il n'y a pas eu de difficultés. Il suffisait juste de comprendre le sujet. L'intitulé, c'était sur l'Internet. J'ai compris le sujet, puis j'ai essayé de développer. J'ai discuté, tout s'est très bien passé. Et les conditions de la salle, la disposition, c'était comment? Oui, c'était très bien. On a respecté les gestes barrières, il y avait la distanciation. Tout vraiment s'est très bien passé là-bas. Merci. Merci, je vous en prie. Bonjour, madame. Comment s'était passé l'examen? L'examen s'est très bien passé. Qu'on imaginait, ça s'est vraiment bien passé. Il n'y avait pas des imprévus, tout ça. Et quel sujet que vous avez travaillé? J'ai travaillé sur les désavantages de l'Internet. Sur la vie des enfants, des jeunes. J'ai évoqué quelques désavantages et tout. Et quelles sont les difficultés que vous avez croisées pendant l'examen? Bon, il n'y avait pas tellement de difficultés. Il suffisait juste de comprendre le sujet, puis les idées viendront d'eux-mêmes, de tout part. Et la disposition à la salle, c'était comment? Oui, la disposition était très bonne. Le centre était bien entretenu, tout s'est bien passé. Il y avait le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, tout. Il y avait vraiment le respect, tout ça. Et un petit mot pour cette journée? Bon, d'abord, je tiens à remercier le gouvernement congolais pour tous les moyens qu'ils ont disposés afin que nous fassions, afin que ces examens se passent dans un bon climat. Tout ce que Bonjour, chers finalistes. Bonjour, madame. Et dites-nous, comment s'était passé l'examen? L'examen s'est très bien passé aujourd'hui. Vraiment bien. Vous avez travaillé quel sujet?
J'ai travaillé le sujet 3, c'était ça parlait du danger de l'Internet pour la vie de l'enfant. Tu t'es retrouvé, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen? Bon, les difficultés, il n'y en avait pas, mais c'était juste le stress parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais après, on a vu que c'était seulement comme ça se faisait ici à l'école. Il n'y avait rien de différent. Sinon, il n'y avait aucune difficulté. J'étais arrivé à temps ou par manque de transport, vous étiez venu en retard? Bon, je suis arrivé un peu en retard, puisque je me suis réveillé aussi en retard. Mais sinon, au centre là-bas, on nous a juste fait attendre, puis on est entré. La disposition à la salle de classe était comment? La disposition, elle était de manière à respecter les gestes barrières. Il y avait une distance d'au moins un mètre par banc et on nous obligeait les cache-nez, les écarts. Merci. Je vous en prie. Journaliste. Bonjour. Comment s'était passé l'examen? Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a eu à faire la dissertation et c'était vraiment très bien. Et quel est le sujet que tu as travaillé? Mon sujet était plus basé sur la nature, la protection de la nature. Donc, c'était ça. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen? Il n'y avait pas vraiment de difficultés, c'est juste qu'avec la saison, il faisait un peu trop froid. Mais il n'y avait pas de difficultés, j'avais les arguments nécessaires basés sur mon sujet, donc tout était très bien. La disposition à la salle de classe était comment? C'était bien, vraiment, on a respecté la distanciation sociale. On était deux par banc. On avait refusé qu'on soit à trois ou confinés. Non, on était deux et chacun était dans les extrémités. Donc c'était bien. Donc la grève des transports ne vous a pas dérangé? La grève des transports? Non, ça ne nous a pas dérangé. Déjà, moi, j'étais arrivée ici à 6 heures juste. Donc, ça ne nous a pas dérangé. Et un mot pour cette journée? Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné l'intelligence nécessaire. Dès que j'ai vu ce sujet, c'était vraiment ce à quoi je m'étais préparée. J'avais les arguments nécessaires pour ça et c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi je lui remercie. Merci. Je vous en prie. Bonjour, madame. Comment s'était passé l'examen? Ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé aussi. Et c'était sur quel sujet que vous avez parlé? Moi, mon sujet était basé sur l'école, l'enseignement aussi. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen? Il n'y avait pas vraiment les difficultés. Et la disposition dans la salle de classe était comment? En fait, on a vraiment respecté la disposition. Donc, on était chacune de nous s'était placé dans sa place. Un mot pour cette journée? Pardon? Vous pouvez nous dire un mot pour cette journée? Donc, la journée d'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé. J'ai pensé que non, ça allait être tellement difficile, mais ça s'est bien passé. Gloire à Dieu, j'ai toutes mes remerciements à lui. Merci. Ok, merci. Bonjour. Dites-nous, comment s'était passé l'examen? Bon, l'examen a été un peu difficile, mais on a quand même réussi à répondre à quelques questions. On a fait bien notre dissertation et... ça n'a pas été facile, mais comment on a pu s'en sortir? Et de quel sujet que vous avez travaillé? Sur mon sujet, moi je travaille les sujets 6 qui parlaient de quoi? Comment quoi? C'était quoi encore? Ça parlait de l'Internet. Donc, comment trouver une solution pour que l'ordinateur, l'Internet ne puisse pas influencer le petit? Puisque vous voyez, l'ordinateur, parfois, en nos jours, c'est, comment je peux dire, ça viole les enfants. Vous voyez, dans le sens où, lorsque l'enfant est coincé seul avec sa machine, il arrive à accéder à des mauvais sites. Et à partir de cela, l'enfant, ça nuit à l'éducation de l'enfant. Et l'enfant pourra avoir des choses qui ne sont pas de son âge, tout ça. Ben, j'ai essayé un peu de faire une dissertation sur ça et bon, je pense quand même que j'ai bien fait et bien apprendu de ça. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen? Bon, les difficultés vraiment, j'ai vu que tout s'est bien déroulé.
Je n'ai rien vu de si compliqué. Et la disposition à la salle de classe? La disposition, oui, la disposition était très bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de dérangement, tout ça, et pas de communication. Donc ça a vraiment été tranquille. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comment tu as trouvé cette journée d'aujourd'hui? Tu peux nous dire un mot pour cette journée d'aujourd'hui? Pour la journée d'aujourd'hui. Bon, j'avais aimé la journée, mais seulement nous sommes arrivés ici à 6h, mais on n'a rien. On nous avait dit de venir à 6h30. Nous sommes venus à 6h30, mais on a pu attendre jusqu'à 8h pour entrer dans le local. On a pu commencer l'examen à 9h. Oui, ça n'a pas été vraiment ponctué, c'est ça. Merci. Ah ouais, je vous en prie. Bonjour, cher finaliste. Bonjour. Dites-nous, comment s'était passé l'examen? Oui, l'examen s'est très bien passé. Il y avait des sujets un peu compliqués, mais tout s'est bien passé. Et quel est le sujet que tu as travaillé? C'est un sujet qui parlait sur l'Internet, son impact sur l'éducation de la jeunesse congolaise et bon, plus sur son impact sur le monde dans la jeunesse. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen? Pendant l'examen, c'était la collecte des idées par rapport au sujet donné. Voilà, c'était vraiment la plus grande difficulté. Et la disposition à la salle de classe était comment? Oui, elle était très bien. Il y avait une personne par banc. Ça s'est très bien passé. Un mot pour cette journée? Oui, c'est une journée à laquelle j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé la journée parce que tout s'est bien passé malgré que ça a été un peu difficile. Tout s'est bien passé. Merci. Si. Cher finaliste. Bonjour. Comment s'était passé l'examen? Mon examen était très bien passé malgré que... En travaillant, j'ai connu un peu quelques difficultés des arguments à trouver. Mais ça s'est très bien passé, mon examen. Et c'était quoi les sujets? Bon, j'ai travaillé sur le bon sens de ne pas autoriser à l'enfant l'accès sur Internet. C'est le sujet que j'ai travaillé sur ça. Il y avait eu des difficultés à rencontrer pendant votre examen? Pas vraiment. Mais les difficultés étaient seulement parties pour trouver les arguments et puis donc reconstruire un peu mon sujet. Mais après ça, quand je l'ai trouvé, j'ai mieux travaillé ça encore. C'était facile. Et la disposition à la salle de classe était comment? Bon, la disposition pour le moment, j'ai vu qu'on n'a pas tenu compte de nos locales parce que on nous a fait seulement entrer seulement là où tu... La salle où tu étais disposé, c'est là où on t'a mis directement, dans cette salle. On t'a fait entrer dans cette salle. On n'a pas tenu compte de chaque local de la personne. Et vous pouvez nous dire un mot de cette journée? Bon, pour cette journée, je ne pourrais pas vraiment dire que c'était vraiment très très bonne. Mais elle a été passable la journée. Je remercie seulement les bons dieux de m'aider pour éviter un peu de distractions. J'étais vraiment concentré sur mon examen. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Dites-nous comment s'était passé l'examen? Ça s'est bien passé, c'était un peu compliqué au début mais à la fin c'était bien. Et de quel sujet que vous avez travaillé? Je travaille sur la nature. J'ai expliqué comment ça doit se passer la nature, comment on doit protéger la nature et préserver tout ce qui se trouve sur la nature. Et quelles sont les difficultés que vous avez croisées pendant l'examen? Il n'y avait pas trop, mais juste, c'était un peu compliqué de comprendre le sujet. Mais avec le temps, je me suis concentré, c'était un peu facile vers la fin. Et les conditions à la salle de classe, c'était comment? C'était un peu normal, c'était pas cool, parce qu'il y avait des chaises, des barrières. À l'entrée, il y avait des seaux, on a lavé les mains, il y avait des savons, voilà. On a mis les cache-nez, il y avait la distanciation sociale, des parbancs, ça s'est bien passé. Les autorités ont pris toutes les responsabilités pour assurer une meilleure survie pour les élèves. Un mot pour l'enseignement? L'enseignement, je dirais que ça se passe bien. Les parents doivent avoir confiance à l'État qui assure une bonne éducation pour les élèves. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école, on étudie normalement, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de maladie, pas du tout, je ne vois pas dans mon école. L'élève qui a un cas de Covid, il n'y en a pas. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école pour étudier normalement, il n'y a pas de problème. Merci. De rien. Bonjour madame. Dites-nous, comment s'était passé l'examen? Enfin, l'examen n'était pas aussi difficile que ça. Je peux dire que l'examen était bien passé parce que
J'avais un peu révisé mes cahiers. Tout était normal. De quel sujet vous avez travaillé? Les sujets, je crois l'intitulé, ça parlait de l'éducation. Et voilà, j'avais travaillé sur ça. Vous avez rencontré des difficultés pendant l'examen? Enfin, les difficultés, pas vraiment, non. La disposition à la salle de classe était comment? La disposition, il y avait deux élèves. On nous avait classés par banc deux élèves et on avait respecté les gestes barrières. Tout le monde était avec les cache-nez. Voilà, c'était un peu ça. Vous pouvez nous dire un mot pour cet enseignement? Bon, dès le début, nous tous, on est si conscients. Je crois que l'année n'était pas aussi facile parce qu'il y a eu le coronavirus qui a un peu handicapé le calendrier scolaire. Mais quand même, l'État nous a permis, il a fait en sorte à ce que nous puissions arriver jusqu'à ce jour pour travailler la dissertation. Voilà, donc il y avait quelques difficultés, mais pour l'instant, je crois que tout a été bien résolu. Merci. Merci Ningi Bauti Kolanda, finaliste à Kinshasa, Ningi Bauti Koloba. Alors, bobo sanate, ko pesa ba commenter on abino et puis bo s'abonner massivement. Nga na bino tukutani lobby. Ciao.